était une fois une reine qui accoucha d'un fils ailé et si mal fait qu'on douta longtemps de son appartenance à l'espèce humaine. La reine fut si affligée à la vue de son enfant qu'elle dut se résoudre à l'exiler dans la lointaine forêt de Pirlimpinpin. Durant de longues années, le monstre vécut seul et caché de tous. Mais un jour, une fusée atomique venue du centre de la Terre bouleversa sa triste existence. Cette fusée portait en ses entrailles 1000 petits chaperons, pleins de vie et d'innocence. Alors débuta le massacre.